face my giants with confidence. Yawa, Yesu Azaliyawa, Yesu Azaliyawa, Nabi So, Yesu Azaliyawa, Yesu Azaliyawa, Yesu Azaliyawa, Nabi Yemba, Hallelujah, 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 Nabi So. Mwana zambe, alleluia, 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 yemba ya solo, alleluia, 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 Yesu longa nangaye, alleluia, alleluia, na Yesu. Biso toko monaye, biso toko monaye, biso toko monaye na lola. Biso toko monaye, biso toko monaye, biso toko monaye na yemba. Hallelujah, 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 hallelujah na Yesu. Yesu longa nanga. Hallelujah, 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 na Yesu. Hallelujah, 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 na Yesu. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Oh, kinder van de Heer, is zo heerlijk voor de Heer te zingen. Les enfants de Dieu, c'est bon de chanter pour le Seigneur. Ik kan de hele tijd zingen. Je peux chanter tout le temps. Want ik zing beter dan Kelly. Parce que je chante mieux que Kelly. Dat kan je niet vergelijken. Et vous ne pouvez même pas comparer. Ik zing beter dan Evangeliste Israël. Je chante mieux qu'Evangeliste Israël. Maar voor de Evangeliste Simon Livan kunnen wij nog een beetje vechten. Mais on peut encore se battre avec l'Evangeliste Simon. Amen. Maar Martin is plus que vainqueur. Amen. Kinderen van de Heer, nu is tijd. Les enfants de Dieu, il est temps. Nu is tijd dat wij nu in de prediking gelijk gaan. Il est temps qu'on rentre dans la prédication. Want we hebben veel te vertellen. Parce qu'on a beaucoup à raconter. Kinderen van de Heer, open jullie hart. Les enfants de Dieu, ouvrez vos cœurs. Ten eerste wil ik zeggen, bewaar deze prediking niet voor jezelf. Premièrement, je veux dire, ne gardez pas cette prédication pour vous-même. Bewaar het niet, want het staat geschreven in Psalm 40, vers 10. Ne gardez pas, parce qu'il est écrit dans Psalm 40, verset 10. Ik ga jouw heerlijkheid niet verbergen. Je ne cacherai pas ta bonté. Ik moet het uitspreiden. Je dois la partager. Daarom, kinderen van de Heer, open je hart, partagez, partagez. C'est pour ça, les enfants de Dieu, ouvrez vos cœurs, dès-le. Vraag, roep en jullie familie, kinderen, allemaal. Appelez vos enfants, votre famille, tout le monde. Want vandaar wat gaat gebeuren, het is belangrijk. Amen, parce que ce qui va se passer aujourd'hui, c'est très important pour vous. Daarom, kinderen van de Heer, tegen jullie vandaag. Je vous dis aujourd'hui. Die ene die ons leven gaf. Celui qui nous a donné la vie. Is de Heer. C'est le Seigneur. Hij zei tegen ons in Marcus 16, vers 16. Il nous a dit dans Marc 16, verset 16. Die ene die in mij gaat geloven. Celui qui va croire en moi. Ik geef hem de macht. Je vais donner le pouvoir. Om de démons uit te drijven. De chasser les démons.
Das hat wir selber leben nicht allein. Ça veut dire qu'on ne vit pas seul. Anders hat er das nicht gesagt. Sinon, il ne l'aurait pas dit. Um sich zu genesen. Pour guérir les maladies. Das bestat Sicht. Ça veut dire qu'il y a des maladies qui existent. Wer glaubt, dass bestat Sicht, aber als kommt über Dämonen, wer glaubt das nicht? On croit qu'il y a la maladie, mais quand ça parle de démons, on ne veut pas croire. Viele Kirchen machen Faut, sie vertellen allein mal an ihren Kindern, alles ist gut, der Virus ist mooi. Amen. Beaucoup d'églises font la faute de dire aux fidèles, le monde est bon, tout va bien. Mais ils font-elles ni des gefahres qui in de virus sit. Mais ils ne racontent pas les dangers qu'il y a dans le monde. Mais welche fait-elle so dat onze kinderen sterker voorzichtig zullen zijn. Et aujourd'hui on va raconter pour que les fidèles puissent être forts. In de naam van Jésus. Daarom zeg ik jullie nu. C'est pour ça que je vous dis maintenant. Hef jullie stem. Élevez vos voix. Er is alleen één naam die ons is gegeven. Il y a qu'un seul nom qui nous a été donné. Zodat wij de kracht krijgen zoals hem. Pour qu'on puisse recevoir la même force que lui. Is de naam van Jezus. C'est le nom de Jésus. Vraag de Heer nu. Demande maintenant au Seigneur. Vader, laat jouw kracht in mij geactiveerd worden. Père, que ta puissance active en moi. Laat mij krachtig worden in naam van Jezus Christus. Laisse-moi devenir fort au nom de Jésus Christ. Vergeef mijn zonden. Pardonne mes péchés. In de naam van Jésus. In de naam van Jésus. Alors commencez à lever votre voix. Élevez votre voix. Demandez l'onction de Jésus. Demandez la force de Jésus. Demandez la voix de Jésus. Et que la voix qui domine tout. La voix qui te conduit dans le succès. Bénissons celui qui vient au nom de Jésus. Nous vous bénissons de la maison de Jésus. Jésus-Christ est Dieu. Il m'a donné l'onction de chasser. Il m'a donné l'onction de guérir. Oh, dans le nom de Jésus, j'ai reçu la paix. Dans le nom de Jésus, ma famille et moi, on est bénis. On a eu la vie. On continuera dans la vie de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Ainsi, on a prié au nom de Jésus. On a prié au nom de Jésus. Alors, où vous êtes maintenant? Concentrez-vous et fermez les yeux. Élevez vos mains. Élevez vos mains car au milieu de nous, il a dit là deux ou trois se rassemblent à mon nom, je suis parmi eux. Vader, je bent mijn Heer, Vader, je bent één. Père, tu es mon Seigneur, Père, tu es un. Ik noem u Abba, Vader. Je t'appelle Abba, Père. Het begin van onze leven en het einde van onze leven. Le commencement et la fin de notre vie. Vader, ik ben van u. Père, je suis à toi. Kijk, jouw kinderen zijn van u. Regarde, tes enfants sont à toi. Niemand is perfect, Vader. Personne n'est parfait, Père. Niemand doet goed, Vader. Personne ne fait le bien, Père. Vergeef ons in naam van Jezus Christus. Pardonne-nous au nom de Jésus Christ. Zie mijn lichaam, mijn ziel, mijn geest is naar u gekomen. Vois comme mon corps, mon âme et mon esprit sont venus vers toi. Zie de kinderen die naar u luisteren over de hele wereld. Vois comme tous tes enfants dans le monde entier t'écoutent. Heb medelijden. Aie pitié. Heb medelijden. Aie pitié. Vergeef hun zonden. Pardonne leurs péchés. Open hun het verstand om te begrijpen de prediking. Ouvre-leur la connaissance pour comprendre la prédication. Zodat ze op uw rechte paden lopen. Pour qu'ils puissent marcher dans tes droits chemins. In de naam van Jezus Christus de Nazareth. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dan zeg ik drie keer. Je dis trois fois. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Amen. Kinderen van de Heer, jullie mogen zitten. Les enfants de Dieu, vous pouvez vous asseoir. Vandaag is de dag van de waarheid. Aujourd'hui, c'est le jour de la vérité. Vandaag is de Sabbat. Aujourd'hui, c'est le Sabbat. Sabbat, wat betekent Sabbat? Qu'est-ce que ça veut dire Sabbat? Sabbat betekent niet anders dan de vrijheid in de Heer. Sabbat, ça veut rien dire de plus que la liberté dans le Seigneur. Jezus Christus heeft tegen zijn apostel Paulus geïnspireerd. Jésus Christ a inspiré son apôtre Paul. En hij zei dat. Et il a dit. De kinderen van Israël in de woestijn. Les enfants d'Israël dans le désert.
Sie kriegen diese Rüstedach nicht. Ils n'ont pas reçu ce jour de repos. Sie gaan dat niet krijgen. Ils ne vont pas le recevoir. Maar wat wilde dat zeggen? Mais qu'est-ce que ça voulait dire? Welke vrijheid zouden ze niet krijgen? Pour quelle liberté ils n'auront pas Welke eu? Rust zouden ze niet krijgen? Quel repos ils n'auront pas eu? Want sprak hij over die rustdag, over de zondag, sabbat, of het komt een andere rustdag? Est-ce qu'il parlait du repos du jour de sabbat ou il parle d'un autre repos? Zijn wij, toen de Israëlieten hebben gezonderd, hij zei, jullie komen niet in mijn rust binnen. Bedoelde hij sabbat of bedoelde hij iets anders? Quand il a dit aux Israëlites, vous ne rentrez pas dans mon lieu de repos, il parlait du sabbat ou il parlait d'autre chose? Of bedoelde hij dat ze niet naar in de land Canaan binnen zullen gaan. Oui, il parlait du pays Canaan qui n'allait Want pas pouvoir niet rentrer. Iedereen is naar in de land Canaan binnen gegaan. Parce que pas tout le monde a accédé au pays de Canaan. Dan hebben ze geen rust gekregen. Alors ils n'ont pas reçu le Want repos. Hij heeft gezegd, jullie gaan in de woestijn sterven. Parce qu'il a dit, vous allez mourir dans le désert. Amen. Jullie gaan niet binnen in mijn rust. Vous n'allez pas rentrer dans mon lieu de repos. Dus dat betekent, ze hebben die rust gemist. Ça veut dire, ils ont raté leur repos. In Canaan. Au Canaan. Maar waarom als het zo is? Mais alors si c'est comme ça? Hoe komt dat dat koning David heeft nog een andere rust gesproken? Comment se fait-il que le roi David a parlé d'un autre repos? In Psalm 95 denk ik. Dans le psaume 95. Nog andere rust heeft David gesproken dat ze gaan niet in mijn rust binnen. David a parlé d'un autre repos, il a dit vous rentrez pas dans mon lieu de repos. Deze rust die de Heer bedoelt is niet uiterlijke rust. Le repos dont le Seigneur parle, c'est pas un repos charnel. Het is de rust dat wij zullen krijgen die hij bedoelde in Johannes 15. C'est le repos qui parle dont il parle dans Jean 15. En Johannes 14 nog beter. Et dans Jean 14 encore mieux. Ik geef jullie mijn rust. Je vous donne ma paix. Amen. Het is niet de rust die de wereld geeft. Ce n'est pas la paix que le Seigneur que le monde donne. Weten jullie niet dat jullie zijn al in paradijs? Vous ne savez pas que vous êtes déjà dans le paradis? Weten jullie niet dat Jezus Christus is al in jullie? Ne savez-vous pas que Jésus-Christ est déjà en vous? Weten jullie niet dat wij hoeven eigenlijk, wij weten al waar wij naartoe gaan? Ne savez-vous pas que déjà on sait déjà où on va? Want het is niet meer ik die leef, het is Jezus. Parce que ce n'est plus moi qui vis mais c'est Jésus-Christ. Jezus is die leef, dus als je doodgaat dan ben je 100% naar boven. Donc c'est Jésus-Christ qui vit, donc si tu meurs, tu vas 100% en haut. Waarom maken wij ons zorgen? Pourquoi on se fait du souci? Omdat wij de Heer niet kennen. Parce qu'on ne connaît pas le Seigneur. Wij denken hem te kennen, maar wij kennen hem niet. On pense le connaître, mais on le connaît pas. Wij wandelen met de occultus van de wereld. On marche avec les occupations du monde. Wij geloven in horoscopen. On croit aux horoscopes. Wij geloven in wat wij zien, maandelijks, hoe heet dat nog? Horoscoop, denk ik. Ja, ja. On croit aux choses qu'on voit chaque mois, l'horoscope. Wij lezen de krant en wij zeggen, het is mei, ik ben in mei geboren, ik ben stier. Dat betekent, vandaag ga ik geluk krijgen. Amen, donc on lit le journal, on dit, c'est moi, je suis taureau, donc aujourd'hui je vais être heureux. De anderen zeggen, ik ben tweeling, terwijl hij geen tweeling is. Donc les autres lisent, je suis jumeau, mais il n'est même pas jumeau. De anderen zeggen, ik ben scorpion. Les autres disent, je suis scorpion. Amen. Begin zelf haar man te bijten, omdat zij voelt zich scorpion. Ik commence à mordre son mari parce que ze sent comme un scorpion. De andere voelt zich leeuw thuis. L'autre se sent comme un lion à la maison. Zo'n grote stem, net als Christian. Il a une grosse voix comme Christian. Als ik niet eet. Il rugit et dit si je ne mange pas. Dus wij voelen ons zo ingetrokken in die waarzeggerij. Donc on se sent tellement attaché à ces choses futiles. Wij geloven aan horoscoop in plaats van profetie van de Heer. On croit aux horoscopes à la place de croire à la prophétie du Seigneur. De wereld springen, bam, de sterren, en ze weten niet eens wat ze doen. Le monde court après ces choses, les étoiles, mais ils ne savent même pas ce qu'ils font. Wij hebben Jezus Christus de Nazareth. On a Jésus Christ de Nazareth. Alleen in hem is de volheid van de Heer, niet iemand anders. Uniquement en lui, il y a la plénitude de Dieu, en nulle part d'autre. Kinderen van de Heer, noteer alstublieft Colossense 2, vers 9. Les enfants de Dieu, écrivez le Colossiens 2, verset 9. Dat staat duidelijk, dus ik herhaal 2, vers 9, Colossense. Je répète, Colossiens 2, verset 9. Het staat geschreven in Nederlands. Il est écrit en néerlandais. Want in hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. Amen. Car c'est en lui, c'est dans son corps qu'habite toute la plénitude, ce qui est en Christ. Amen.
In dus de macht van God, alles van zijn heerlijkheid, zijn goddelijkheid, is in zijn Zoon Jezus Christus. Donc toute la puissance de Dieu, tout ce qui est dans sa divinité, est dans son Fils Jésus-Christ. En kijk nu wat hij zegt daarna verder. Et lisez avec moi ce qu'il dit après. Als jullie zelf verder gaan lezen. Quand vous allez lire. Wij zijn net als Jezus. Nous sommes comme Jésus. Wij nemen deel in deze goddelijkheid. Donc nous, on fait partie de cette divinité. Dus jij hebt de volheid van Christus in jou ook. Donc tu as aussi la plénitude de Jésus en toi. Begrijpt iemand mij vandaag wat ik zeg? Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit aujourd'hui? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Spreekt iemand? Het woord van God, je moet hem begrijpen en te gehoorzamen in allerlei stukken in het leven. Amen. La parole de Dieu, tu dois la comprendre et obéir à toutes les choses qu'il y a dans ta vie. Een kleine vlekje houdt de Heer niet van. Une petite tâche, ça déplaît au Seigneur. Je bent alles in orde, maar je gaat naar werk, je hebt zo'n mooie witte kleren, net als mama Vivienne, en dan zet je een puntje van chocola, ping, gaat zij blij zijn? Tu vas au travail et ta maman Vivienne, par exemple, elle a une belle chemise blanche et tu viens mettre une tache sur son vêtement. Est-ce qu'elle va être contente? C'est un chocolat, Mazi. Mets une tache de chocolat sur sa chemise, tu vas voir sa réaction. C'est aardig, hein? Elle est très gentille. Maar ze maakt geen grap als vlek daar. Mais elle ne rigole pas quand il y a une tache. Gratis, oh. Elle va directement. Amen. Zette de saus van pondu. Die gaat nooit weg. Pondu, qui ne part jamais avec l'huile de palme. Kinderen van de Heer, die Heer houdt niet van een vlek van zonde. Le Seigneur n'aime pas les taches. De Heer houdt niet van. Le Seigneur n'aime pas ça. Jullie moeten de Heer begrijpen, hij is strikt. Vous devez comprendre le Seigneur qui est strict. Daarom zeg ik tegen jullie, mengen niet de wetenschap van de wereld met de Heer. C'est pour ça que je vous dis, ne mélangez pas la science de ce monde avec le Seigneur. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Amen. Wij, deze generatie, moeten nu in echte oprechtheid wandelen in naam van Jezus Christus. Notre génération doit marcher dans la droiture dans le nom de Jésus-Christ. Wij zijn de kinderen die best hun gaan doen om te zeggen les vrais adorateurs. Amen. Nous sommes les enfants qui vont faire de leur mieux pour dire nous sommes les vrais adorateurs. Wij gaan niet in occultus. On va pas marcher dans l'occultisme. Velen weten niet eens wat occultus betekent. Beaucoup ne savent pas c'est quoi l'occultisme. New age. Le nouvel âge. Amen. Al die dingen. Toutes ces choses. Ze weten niet eens wat ze daar doen. Ils ne savent même pas ce qu'ils font. Er is alleen één redding, één gaat redden. Zijn naam is Jezus Christus in Nazareth. Amen. Sauveur et un seul conseiller, son nom c'est Jésus Christ. Amen. Alleen Evangelist Israël a acclamé. Wat is met jullie allemaal? Il n'y a que Evangelist Israël qui a acclamé. Alleluia. Ja. Ik geef jullie de Red Bull in spirit van Christus. Je vous donne le Red Bull en esprit. Om wakker te worden. Pour devenir, pour vous réveiller. Kinderen van de Heer, occult betekent verborgenheid. Les enfants de Dieu, l'occultisme, ça veut dire wat ce, verborgen ce is. Qui est caché. Dat is occult. Ça, c'est l'occultisme. Wat verborgen is. Satan heeft dat zo gedaan, zodat je niet zou weten wat verborgen is, dat het slecht is voor Amen. Jou. Amen. Satan fait cela pour que tu puisses pas savoir ce qui est caché. Kinderen van de Heer, er zijn jongeren, die, ze zijn echt. Hij kent deze jongen vandaag en hij leest zijn horoscoop en hij zegt, oh, deze man, hij gaat verliefd raken. En dan begint hij echt daarover te vertrouwen. Amen. Donc, il y a beaucoup de personnes, elles lisent l'horoscope et elles disent, cet homme-ci, ce mois-ci, il va devenir amoureux. Et puis, il s'attache. Dan begin je jouw geld uit te geven met chocolat en bloemen. Et là, tu donnes ton argent, tu donnes tes chocolats, tu donnes tes fleurs. Jij verliest jouw geld voor niks. Tu perds ton argent pour rien. Ja. Amen. Er zijn de arme mensen die jou gaan zegenen. Il y a beaucoup de pauvres qui vont te bénir. Horoscoop kan jou niet zegenen. L'horoscope ne peut pas te bénir. Hoe is het begonnen? Comment tout ça a commencé? Ga ik het daarover vertellen. Je vais parler de maar ça. Ik wil jullie eerst maar vertellen wat betekent horoscoop. Mais d'abord, je vais vous raconter qu'est-ce que ça veut dire horoscope. Wie is de vader van horoscope? Qui est le père de l'horoscope? Waar is horoscope überhaupt over die sterren lezen? Waar is het begonnen? Où cela a commencé de lire les étoiles et l'horoscope? Is iemand bereid om dat te weten? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt pour savoir cela? Maar jullie moeten geloven. Nee, jullie moeten niet. Geef jouw hart om het te geloven zodat je vrij wordt. Donnez votre cœur pour croire cela pour devenir libre. Neem het gratie van de Heer. Prenez la grâce du Seigneur. Amen. Waarzeggerij over de sterren lezen is begonnen in Mesopotamië. Donc l'horoscope a commencé en Mésopotamie. Mesopotamië is daar aan de oostkant waar Job was geboren. Donc la Mésopotamie c'est là où Job est né.
Job is zelf de stam geweest net als Abraham. Job était de la même tribu qu'Abraham. Eigenlijk normaal gezien, ze hebben samen dezelfde tijd geleefd. Normalement, ils ont vécu dans le même temps. Ze waren de wijze van de oost. Ils étaient les sages du nord. De mensen van de oost waren wijze omdat ze vertrouwden niet in de Heer, maar ze vertrouwden door de zonopgang. Donc ceux qui étaient dans l'est, ils ne croyaient pas au Seigneur, mais ils croyaient au lever du soleil. Toen ze altijd de zon ging observeren, in de nacht zagen ze sterren, daar begonnen ze de sterren te lezen. Quand ils regardaient le soleil, la nuit, ils voyaient les étoiles et ils commençaient à lire les étoiles. En ze, dat heb ik ook gedaan toen ik klein was. Ik zie, hè, alsof het een tekentje is. Moi aussi j'ai fait ça quand j'étais petit, je regardais et je me disais c'est comme un dessin. Gelukkig, ik was geen chaldeer. Heureusement que je n'étais pas un chaldeen. Dus, ik heb het gelezen toen ook. Ik dacht, oh, ik zie echt hoe dat beweegt. En zo kwam die idee. Donc j'ai lu, je regardais et je me dis, oh, mais je vois vraiment comment ça bouge. Et c'est comme ça que l'idée est venue. De Egyptenaren, ze hebben dat ook overgenomen daarna. Les Égyptiens ont aussi repris cela après. Maar de Egyptenaren gingen daarna geestelijk. Mais les Égyptiens sont partis après en esprit. Est-ce que je peux dire amen? Amen. Give me amen. Est-ce que vous pouvez dire amen? Kunnen jullie amen zeggen? Amen. De Egyptenaren, toen ze dat zagen, ze hebben gezegd, nee, dat is een diepe geheim. Wij hebben begrepen wie achter zit. Les Égyptiens, quand ils ont vu ça, ils ont dit, non, c'est un secret profond, on sait qui a fait ça. Ze noemden dat horoscope. Ils ont appelé ça l'horoscope. Weet u wat horoscope betekent? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Noteer het, alstublieft. Écrivez-le, s'il vous plaît. Horoscope betekent de god van Egypte, Horus. Amen. Horoscope, ça veut dire le dieu d'Égypte, Horus. Horus is de vader van Horus. Hij heeft een vader en hij heeft moeder gehad. Donc Horus a eu un père et une mère. Dus de Egyptenaren begrepen dat ze wouden, Satan heeft al de plan gedaan dat hij zou Jezus Christus, de vader en de Heilige Geest, imiteren. Dus hij heeft Horus als de zoon gehad. Amen. Donc les Égyptiens avaient compris que Satan voulait faire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc il a eu Horus comme le Père. De comme vader le fils. Was Horus. Le Père était Horus. Of on dit ça Osiris. 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 Amen. En de moeder, wie weet de moeder? Et la mère était Iris. De vrouw van? Iris of Iris, Isis, ja. Andere woord. Amen. Iris, Iris of Isis zijn dezelfde. Andere generaties zeggen Isis, de andere Iris. Amen. D'autres disent Isis, d'autres disent Iris. Ze baden een zoon namen Horus. Ils ont élevé un fils qui s'appelait Horus. Waarom hebben ze die horoscoop in naam van Horus gegeven? Pourquoi ils ont donné l'horoscope le nom d'Horus? Omdat Horus representeert de kracht van zijn vader, Satan. Amen, parce que Horus représente la force de son père qui est Satan. Hij representeert de kracht van Horus, Osiris. Dus dat Amen. Wil zeggen, alle kracht van Satan zit in Horus. Il représente la force d'Osiris, ça veut dire que toute la force de Satan est dans Osiris. Dat klopt. Als je begint te kijken en begint te tellen of wat te zeggen, dan ga jij de geest van verderfnis, van leugens krijgen. Amen. Donc si tu commences à regarder les étoiles et tu commences à dire ce qu'il y a dedans, tu commences à avoir l'esprit de mensonge. We hebben twee personnages. We hebben Jezus Christus en we hebben deze Horus. On a deux personnages, on a Jésus-Christ, on a ce Horus. Goed luisteren. Écoutez bien. Dus Jezus Christus brengt ons de wijsheid en de kennis van de liefde. Donc Jésus-Christ nous donne la sagesse et la connaissance de l'amour. Horus brengt ons de verderfnis in de hemel. Horus nous donne de leugens. Le mensonge. Dus wij vereren de sterren of de al die teller van onze horoscoop. Wij vereren gelijk niet de wereld, maar wij vereren de zoon van Satan, Horus. Amen. Donc nous, en croyant aux étoiles et aux horoscopes, on ne loue pas le monde, mais on loue le fils de Satan lui-même. En deze geest is in de hele wereld gegaan. Et cet esprit est allé dans le monde entier. Dus horoscoop hebben wij van de maand, stieren en dit en dat. Het is precies ook 12, net als de 12 van stam van Israël. Amen. Waarom? Donc les horoscopes, on a ça avec les 12 mois et les taureaux et tout ça, et c'est comme les douze tribus de Juda. Satan heeft dus 12 stammen nagedaan, dus het moesten gewoon 12 horoscopen zijn.
Satan a recopié les 12 tribus, donc il devait avoir 12 horoscopes. Weben des stieren, des leeuwen en dit en dat. Dat telt allemaal de personnages van iemand. On a le taureau et le lion, et tout ça, ce sont les personnages de quelqu'un. Wie ze zijn? Qui sont-ils? Ze zijn dezelfde engelen die zijn gevallen met Satan. Ce sont les mêmes anges qui sont tombés avec Satan. Ik herhaal. Je répète. Die 12 horoscopen van leeuwen dit en dat goed luisteren. Les 12 horoscopes de taureau et tout ça. Ze zijn de karakteren van de gevallen engelen. Ce sont les caractères des anges déchus. Toen ze waren gevallen. Quand ils sont tombés. Daarom staat in Openbaring. Comme il est écrit dans Apocalypse. Die wij nu gaan lezen. Qu'on va lire maintenant. Kijk in Openbaring. Lisez dans Apocalypse. 12 vers 7. 12 verset 7. Dat moeten jullie goed begrijpen en onthouden. Vous devez bien comprendre ça et retenir. Wij moeten vandaag weg van deze leugens. Aujourd'hui, on doit sortir de ce mensonge. Want de wereld weet die verborgenheid. Parce que le monde connaît ces choses cachées. Is de verderfnis van de mensheid. C'est la chute de l'humanité. Openbaring 12, 7, 10. Kunt u lezen in Frans. Amen. Apocalypse 12, verset 7 à 10. Amen. Alors une bataille s'engagea dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Contre qui? Le dragon. Aha. Et celui-ci les combattit avec ses anges. 8. Mais le dragon ne remporta pas la victoire et lui et ses anges ne purent maintenir leur position au ciel. Hij met zijn engelen. Dus Amen. Dat betekent dat de draak was heel machtig. Ça veut dire que le dragon était très puissant. Omdat hij heeft zijn engelen Parce gehad. Parce que lui aussi il avait ses anges. Dus onthoud het. Donc, de draak heeft zijn engelen. Retenez-le bien, le dragon a ses anges. Wij gaan verder. On continue. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, qu'on appelle le diable et Satan, celui qui égare le monde entier. 9. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Oh. Amen. Hij is neergeworpen en die engelen van hem zijn neergedaald met Amen. Hem samen. Ils ont été précipités ici et ses anges aussi ont été précipités. Mm-hmm. Verset 10. Puis j'entendis dans le ciel une voix puissante qui disait: Maintenant, le temps du salut est arrivé. Mm-hmm. Maintenant, notre Dieu a manifesté sa puissance. Il a instauré son royaume. Mm-hmm. Maintenant, son Messie a pris l'autorité en main, car l'accusateur de nos frères, celui qui jour et nuit les a accusés devant Dieu, a été jeté hors du ciel. Amen. Alléluia, clamons le Seigneur. Clapons de Heer. Satan en zijn demonen zijn nu op aarde. Satan et ses démons sont maintenant sur terre. Wat gaan ze doen? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Dan hebben ze daarom zo gedaan dat de mensen zouden de Heer niet kennen, maar bewonderen aan zijn scheppingen. Ils ont tout fait pour que les gens ne s'occupent plus de Dieu, mais juste de sa création. En ze zagen die sterren, want die engelen die gevallen waren, ze waren nog hier, ze zweefden rond. Amen, parce que les anges qui étaient encore déchus, ils étaient encore ici, ils étaient en train de rôder. Ze gingen in de karakteren van hun, gingen ze implanteren in de mensheid. Donc ils ont pris leur caractère et les ont implantés dans l'humanité. Daarom tous les mensen in Mesopotamie keken naar de hemel. C'est pour ça quand les gens en Mésopotamie ont regardé le ciel. Ze kregen die ogen open om het te lezen. Ils ont eu les yeux ouverts pour comprendre cela. Daarom lezen de mensen vandaag. C'est pour ça que les gens lisent ça aujourd'hui. Daarom moeten jullie kinderen van de Heer moeten jullie afkeer hebben van. Amen. Et vous les enfants de Dieu, vous devez avoir le dégoût de cela. Want de Bijbel zegt, er is alleen door één naam. Parce que la Bible dit c'est que par un seul nom die ons gegeven is om de revelatie te weten. Qui nous a été donné pour comprendre les révélations. Oh, zijn naam is. Et son nom c'est Jésus. Acclamons le Seigneur. Amen. We gaan even het beeld van valse Jezus, de zoon van Satan, zien. Maintenant on va voir l'image du faux Jésus, le fils de Satan. En daarna gaan we kijken nog een ander beeld. Dus hij staat in het midden met zijn vader en zijn moeder. Et après on va voir une image là où il est au milieu entre son père et sa mère. Die jullie daar zien, ik ga even ook meekijken. De telefoon doet niet. Donc je vais regarder avec vous. Die jullie daar ziet, deze vogel. Donc cet oiseau que vous voyez. Deze vogel die jullie zien, dit is Horus. C'est Horus. En de Egyptenaren waren niet dom. Et les Égyptiens n'étaient pas bêtes. Ze hebben Jezus Christus geïmiteerd. Ils ont imité Jésus Christ. Want Jezus Christus is de grootste adelaar. Parce que Jésus Christ est le plus grand aigle.
What if Satan had done? Who is this Adela here? Qu'est-ce que Satan a fait? Qui est cet aigle là? He imitated my devir of will it not kennen. Il imite mais le monde ne veut pas connaître. This is Horus. Ça c'est Horus. Nu gaan wij kijken naar de andere beeld. Maintenant on va regarder l'autre image. Het is zijn vader Osiris. En zijn moeder Isis. C'est son père Osiris et sa mère Iris. Et daar in het midden deze kleine jongen. Et au milieu ce petit garçon. Dit is Horus. C'est Horus. En hij dirigeert jullie verstand in horoscopen, omdat het is zijn naam Horoscoop. Et il dirige votre connaissance dans les horoscopes parce que c'est son nom Horoscoop. Zoals de vader zijn de wereld heeft lief gehad en gaf aan zijn zoon. Comme le père a aimé le monde et il a donné son fils. Zo heeft de Satan ook aan Horus gegeven. Daarom heet het horoscope. Dat betekent brainwashing. Amen. C'est pour ça que Satan a fait la même chose. Et horoscope, ça veut dire il lave notre cerveau. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Est-ce que je m'adresse vraiment à quelqu'un? Écris là Jesaja 13. Jesaja 47, vers 13. Écrivez-le, Esaïe 47. Verset 13. Amen. Ja. Ja. Je lis au nom du Seigneur Jésus Christ. Amen. Tu t'es tant fatigué. Amen. Ceux qui compartimentent des zones dans le ciel, qui lisent dans les astres, qui, aux nouvelles lunes, te font savoir d'avance ce qui va t'arriver. Alléluia. Lis encore bien. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Tu t'es tant fatigué à consulter tous tes devins. Qu'ils se présentent donc et qu'ils te sauvent. Ceux qui compartimentent des zones dans le ciel, qui lisent dans les astres, qui, aux nouvelles lunes, te font savoir d'avance ce qui va t'arriver. Hij zegt jullie duidelijk, de Heer wil niet dat jullie dat doen. Il vous dit très clairement que le Seigneur ne veut pas que vous fassiez ce. Dus in Nederlands vers 13 zegt hij. Amen, en néerlandais. U bent moe geworden van uw vele plannen. Amen, tu t'es tant fatigué à consulter tous tes divins. Laten ze toch opstaan die de hemel waarnemen. Qui se présente donc ceux qui lisent. Die naar de sterren kijken. Ceux qui regardent les étoiles. Die bij nieuwe maan voorspellingen doen. Et ceux qui contemplent les nouvelles lunes. Laten ze u verlossen toch? Et qui viennent te délivrer. Van de dingen die over u zullen komen. De toutes ces choses qui vont arriver. Alleen de Heer kan weten wat morgen komt en gaat. Seulement le Seigneur peut savoir ce qui va se passer le lendemain. Daar heeft horoscope geen vat. Là, horoscope, il n'a aucune idée de ça. Hij blijft alleen maar de machine te bouwen zodat ze naar horoscope kijken. Lui, il crée juste la machine pour qu'on puisse regarder l'horoscope. Hij gaat in de mind van de mensen om te zeggen, maak zo en zit zo en dit, dat, doe het en neem het waar. Donc il part dans la conscience de l'homme et il dit fais ça et crois en ça. Maar onze Heer heeft ons gewaarschuwd. Mais notre Seigneur nous a déjà prévenu. Hij heeft duidelijk gezegd in Deuteronomius, doe deze culture niet na. Il a très bien dit dans le livre de Deutéronome, ne faites pas ce genre de choses. Wij gaan kijken in Deuteronomius 18 vers 9. Amen, on va lire dans Deutéronome 18 verset 9. Tot 14. Jusqu'à 14. Zo gaan wij lezen, schrijf het op alstublieft. Amen. On va lire, écrivez-le s'il vous plaît. Écrivez-le. Alors, on va lire maintenant en français. Concentrez-vous très bien. Amen. Verset 9. Amen. Lorsque vous serez entrés dans le pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne, n'allez pas imiter les pratiques abominables des peuples qui y habitent actuellement. Verset 10. Qu'on ne trouve chez vous personne qui immole son fils ou sa fille par le feu. Personne qui pratique la divination, qui recherche les présages. Aha, personne qui recherche la prévention. Alors, tu ne vas pas chercher et lire les journaux de dire oh, mon moi, c'est comment aujourd'hui. Ne fais pas ça. En kijken van, ja, wat is mijn maand vandaag? Car c'est des choses que le Seigneur n'aime pas. Doe het niet, want de Heer heeft daar een afkeer van. Il y a des gens qui partent pour que les gens lient leur avenir avec des mains. Sommige mensen gaan bij de ziener zodat ze hun toekomst kunnen weten door hun handen. C'est des gens là que le Seigneur déteste. Zulke mensen haat de Heer. Mais le Seigneur te donne la chance aujourd'hui. Maar de Heer geeft je vandaag een kans. Le Seigneur te donne la grâce aujourd'hui. De Heer geeft je vandaag zijn gratie. Toi qui conduis le peuple de Dieu qui a créé dans le malheur. Jij die de volk van de Heer begeleidt. Repens-toi. Bekeer u. Cherche la vérité. Zoek de waarheid. Je vais dire, on a encore quelques minutes, je vais dire la vérité. Si
l'un de nous, als iemand van ons ooit zulke dingen heeft meegemaakt. Ik ga de waarheid nu zeggen, si un de nous a déjà fait ces choses. Geloof mij, de malheur, de vloek is in jou geworden. Crois-moi, si tu as fait ce genre de choses, le malheur est rentré en toi. Ieder die daaraan geloofde. Tous ceux qui ont cru en cela. Ze zijn in gevangenschap van Horus. Ils sont dans la prison de Résis. Ze zijn in gevangenis in de kerken. Ils sont dans la prison dans les églises. Daarom loopt jullie leven niet goed met ziekte, ongeneeslijke ziekte en allerlei pechen. C'est pour ça que votre vie n'avance pas avec des maladies et toutes sortes de malédictions. Daarom worden sommige rijke miljonairs zodat ze de Heer Jezus Christus zeggen: ik heb hem niet nodig. C'est pour ça que beaucoup deviennent riches et millionnaires pour qu'ils puissent dire je n'ai pas besoin de Jésus-Christ. De duivel heeft een 666 manier om jullie in de maling te nemen, kinderen van de Heer. Le diable a 666 manières d'agir pour pouvoir vous piéger. Maar jullie, vandaar die naar mij luister naar de waarheid. Mais vous qui m'écoutez aujourd'hui, écoutez la vérité. Ga in de waarheid, lees het en doe het niet meer. Entrez dans la vérité, lisez-le et ne le refaites plus. Accepteer Jezus Christus en dan wordt jouw huis met licht. Amen. Acceptez Jésus-Christ et votre vie sera éclairée. Jullie weten niet wat deze oorzaakt. Vous ne savez pas ce que tout cela provoque. Wij gaan verder lezen en dan praten we verder. On va continuer à lire et puis on Est-ce va... que je m'adresse à quelqu'un? Amen. Dan kunnen we verder. Amen. Verset 11. Personne qui jette des sorts consulte des spirites ou les devins. Amen. Personne. Niemand van jullie moet het praktiseren. Amen. Personne de vous doit faire ce genre de choses. Niemand van jullie zal zijn kind en dit en dat beleren. Personne de vous va apprendre ces choses à leurs enfants. De oorzaak daarvan is. Parce que la cause de cela c'est. Als jij dat doet, dan ben je al ongehoorzaam bij de Heer. Si tu fais ce genre de choses, tu désobéis déjà au Seigneur. En als je ongehoorzaam bent, wat is gebeurd met Adam en Eva? Ze waren ver van God geworden. Et si tu désobéis au Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé avec Adam et Eve? Ils sont partis loin du Seigneur. Kinderen van de Heer, als je ver van God bent, dan ben je al iemand zoals dood. Les enfants de Dieu, si tu es loin du Seigneur, tu es déjà mort. Want Amen. Je hebt geen bescherming meer. Parce que tu n'as plus de protection. Amen. Amen. Je hebt geen bescherming zoals Caïn. Tu n'as plus de protection comme Caïn. Caïn ging ver weg van de Heer. Wat is met al zijn kinderen gebeurd? Ze stierven in de water. Caïn s'est éloigné du Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé avec tous ses enfants? Ils sont morts. In de zinvloed. Ils sont morts. Geen familie van Caïn was overleefd. Aucune famille de Caïn a survécu. Die ene die de Heer niet gehoorzaam, kom je niet ver. Celui qui n'obéit pas au Seigneur ne va jamais aller loin. Kinderen van de Heer, wij zijn allemaal in een maling genomen geweest door die horoscoop te lezen. Les enfants de Dieu, on a déjà tous été piégés à lire cet horoscope. Ik herinner me in 2010, ik las horoscoop, die mensen van stieren, mei, ze hebben kans om loto te winnen. Amen. Ik ging duizenden loto spelen. Amen. Je me rappelle quand j'avais lu l'horoscope, j'avais 10 ans. Ils ont dit que les gens qui sont nés en mai, qui sont taureaux, ils ont la chance de gagner au loto. Et j'ai joué beaucoup de fois au loto. En waar is nu mijn geld naartoe gegaan? Et où est-ce que mon argent est maintenant? Amen. In plaats dat ik zoude mijn Heer dankbaarheid geven. Amen. Au lieu de remercier mon Seigneur avec cela. Geloof niet meer in deze wazigerij. Ne crois plus en ces choses futiles. Jezus Christus heeft zijn diener. Jésus Christ a ses dienaren. Serviteurs. Amen. En die dienaren zijn wij. Et ses serviteurs, ce sont nous. Tadam. Tadam. Ik ben blij, want de Heer is mijn redder. Je suis content parce que le Seigneur est mon sauveur. Amen. Tadam. Amen. Ik ben blij, want hij heeft mijn leven in zijn handen. Je suis content parce qu'il a ma vie dans ses mains. Wie is van de macht om de hand van de Heer open te doen om mijn leven te pakken? Amen. Qui a la puissance d'ouvrir la main du Seigneur et prendre notre vie? Tada! Hij heeft mij de macht gegeven. Il m'a donné la puissance. Om de medium van Satan kapot te maken. Pour casser tous les médiums de Satan. Amen. Pas op, onze gevecht, onze strijd is niet van vlees en bloed. Attention, notre combat n'est pas contre la chair. Wij sturen de munitie met de woord van de Heer. On envoie les munitions avec la parole du Seigneur. Ah, kan ik een amen horen? Dites amen. Kinderen van de Heer. Les enfants de Dieu. Zoals de Heer heeft zijn mensen, zijn dienaren, zijn profeten, Satan heeft dat ook. Amen. Tout comme le Seigneur a ses serviteurs et ses prophètes, Satan l'a aussi. Daarom nu wordt het tegenwoordig zichtbaar. Donc aujourd'hui de nos jours c'est visible. New Age. Le nouvel âge. Wij zijn de New Age. Nous sommes le nouvel âge. Welke age ben jij? Amen.
The only age is the here. Le seul age c'est le Seigneur. Je kan niet met de waarzegger. Je zit op tv, ik zag channel van waarzeggerij. Amen. À la télé, j'ai vu la chaîne des divinations. Amen. Et une dame assise en zit en ik zie in jouw leven dat jij dit en dat. Amen. Et il y avait une dame assise qui dit je vois dans ta vie que tu as ci ou que tu as ça. Heeft de Heer dat niet in Deuteronomius gezegd? Mijn kinderen doen dat niet. Amen. Parce que le Seigneur n'a pas dit dans Deuteronomius, mes enfants ne font pas ça. Waarom doen wij dat toch? Pourquoi nous on le fait? Waarom plakken wij in de wereld, ik moet de horoscoop weten, ze hebben gezegd, het is die tijd zo. Pourquoi on se colle au monde et on dit, ah, je dois lire l'horoscope, ils ont dit qu'en ce moment, il y a ça. Als de Heer zegt tegen jou, in Heilige Geest, jouw leven momenteel is zo, jij gelooft het niet. Quand le Saint-Esprit te dit, dans ta vie, c'est comme ça, tu ne veux pas le croire. De wereld gelooft het niet. Le monde ne veut pas le croire. Hij gaf jullie überhaupt gratis. Il vous a donné tout ça gratuitement. Hij geeft jou in de droom, Job 33, 14. Il vous a donné dans le rêve, Job 33, 14. Hij gaat met jou spreken. Il va te parler. Hij heeft in Joël gezegd, hoofdstuk 3, in de komende generatie ga ik mijn geest uitgieten, profetische geest. Amen. Il a dit dans Joël 3, dans les générations à venir, je vais te disperser mon esprit. Jij bent hoger dan deze medium. Tu es plus haut que tous ces médiums. Hun zijn medium, jij bent XL. Amen. Eux, ils sont Alléluia. XL. Ja. Ze zeggen zelf, ik ben medium. Dan hebben ze je suis medium. Net als die waarzeggerij van Egypte. Comme les divinations d'Egypte. Ze zetten ook de slangen net als Mozes. Et ils mettent aussi le serpent comme Moïse. Maar onze slang van Christus heeft hun verslonden. Notre serpent de Christ les a mangés. Amen. Ze hebben 3 maal de wonder nagedaan, dat klopt. Ils ont recopié le l'exploit 3 fois, le miracle. Weten jullie niet dat ze hebben echt macht gehad? Est-ce que vous savez pas qu'ils ont vraiment eu cette puissance? Don't play with the macht van Egypte. Ne jouez pas avec la puissance d'Égypte. Ga niet op vakantie en zeg, oh, pyramide. N'allez pas en Égypte et dites, oh, wow, des pyramides. Het gaat jou verslinden geest. Ça va te détruire en esprit. Voorzichtig. Faites attention. Voorzichtig. Faites attention. Die geesten die jullie zien, die beelden die jullie zien, ze leven binnen. Amen. Tous ces statues que vous voyez à l'intérieur, ça vit. Je hoeft alleen maar te geloven, fan van te worden. Broem, dan komen ze in jouw huis. Vous avez juste à croire en ça, à devenir fan. Boom, ils rentrent dans votre maison. Rachel, de vrouw van Jacob, kreeg geen kinderen omdat ze vond die statue leuk. Amen. Rachel, la femme de qui? De van Jacob. La femme de Jacob n'avait pas d'enfant parce qu'elle aimait ces statues. En wat zegt de Bijbel? Zij kon geen kinderen krijgen. Et que dit la Bible? Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Jij vandaag. Toi aujourd'hui. Jouw leven loopt niet goed. Ta vie ne fonctionne pas. Morgen ben je Fanta en overmorgen ben je vodka. Demain tu es Fanta et le lendemain tu es vodka. En overmorgen ben je Red Bull. Et le jour d'après tu es Red Bull. Blijf toch gewoon Fanta. Reste seulement Fanta. Ja. Amen. Blijf gewoon Fanta. Reste seulement Fanta. Fanta is lekker, daar word je niet dronken. Fanta c'est bon, comme ça tu deviens pas. Je wil alleen maar vodka worden. Tu veux seulement devenir vodka. Weet je niet als je vodka wordt? Tu sais pas si tu deviens vodka. Dan ga je gewoon in trance. Tu vas rentrer en transe. En als je in trance gaat. Et quand tu rentres en transe. Dan ben je dronken. Tu deviens saoul. Als je dronken wordt. Et quand tu es saoul. Dan open je ogen. Tu ouvres tes yeux. Dan begin je dingen te zien wat de mensen niet zien. Et tu commences à voir des choses que l'homme ne voit pas. Est-ce que je peux écouter Amen? Spreek het tot iemand. Amen. Dat wil zeggen, dat betekent dat ben je in de andere wereld. Ça veut dire qu'après tu es dans un autre monde. Daarom verbiedt de Heer om dronken te worden. C'est pour ça que le Seigneur interdit de devenir saoul. Want dan ga je in één wereld, wij noemen het de wereld astralis wereld. Le monde d'astral. Tu rentres dans un monde qui s'appelle le monde astral. Wat is de astralis wereld? Qu'est-ce que ça veut dire le monde astral? Astral wereld is dezelfde wat jullie hier zien, maar debo science fiction, debo technologie, alles en levenwezen die jullie hier niet kennen. C'est la même chose que vous voyez, mais en doublement plus de science fiction. En in de astralische wereld, dan zie je de eenhoorn die jullie fantaseren, maar in astralische wereld bestaat. Amen. Et dans le monde astral, vous voyez la licorne que vous voyez dans les dessins animés, mais ça existe vraiment. You've seen des fées pour les kinderen. Oh, une fée met de flego. Amen. Vous voyez les fées comme les enfants qui connaissent la fée Clochette.
Sie sind alle nicht die Christen von dir hier. Ce ne sont pas les esprits du Seigneur. Ich sage von da die Wahrheit. Ich weiß, dass viele Menschen mich von da nicht leuk finden. Je vous dis la vérité, je sais que beaucoup de gens aujourd'hui ne m'apprécient pas. Mais ich hoffe an Juli, wenn Christus hat mir gesagt, hau your naast. Mais moi je vous aime parce que le Seigneur m'a dit aime ton prochain. Was ist nicht so, dann was ist was anderes. Si ce n'était pas comme ça, alors ce serait différent. Kinder von dir hier. Les enfants de Dieu. Diese Welt. Ce monde. Le monde d'astral. De astral sphere. Als je besoppen bent, dronken bent, dan ga je in die wereld. En als je dat doet, dan heb je al gezondigd. Donc quand tu es dans ce monde, tu as déjà péché. Dan gaat jouw leven niet meer zoals het is. Et là ta vie ne marchera plus comme c'était. Dan begin je verslaafd te raken aan dat drank. Tu commences à devenir obsédé par cette boisson. Dan is jouw leven niet meer. Il vole d'abord l'étoile. Want Satan heeft iets geprobeerd. Parce que Satan a essayé quelque chose. Toen de vrouw zwanger was en hij wou dat kind doden. Quand la femme est enceinte, il voulait tuer l'enfant. Dat is in Openbaring 12. Dus die kan jullie zelf lezen. C'est dans Apocalypse 12, vous pouvez lire ça vous-même. Daarna wat gebeurd is. Et après ce qui s'est passé? Hij heeft ook die vrouw, toen die vrouw overleefde met dat kind, de Bijbel zegt, hij ging toch dat kind, de kinderen volgen die nakomelingen van die vrouw was. Amen. Et quand cette femme et son enfant ont quand même survécu, il a poursuivi les autres enfants qui venaient après la descendance. Daarom terug even naar de monde astral. Donc là, on retourne dans le monde astral. De wereld van astral is de wereld, ze nemen de kinderen in een maling. Le monde astral piège les enfants. Er zijn bijvoorbeeld tekenfilms van Pokémon. Il y a beaucoup de dessins animés de Pokémon, par exemple. Wie kent Pokémon? Pokémon, de Pokémon. Qui connaît Pokémon? De Pokémon, die gestalte, hoe ze de geesten binnenkomen en dit en dat. Het is niet menselijk, het is van de astralische wereld. Les Pokémon, comment les esprits rentrent et sortent, c'est des mondes astral. Osiris zegt, ik ga mensen in de maling nemen, dus het zal net als super leuk. Crois-moi, mes enfants vont connaître cela. Ton enfant, tu vas connaître cela. Als je nog niet mama bent, zeg mijn kind. Mes enfants ne vont pas connaître cela. Amen. Je ne vous entends pas. Dis au nom du Seigneur Jésus-Christ notre Christ. Laat jouw kinderen of jouzelf niet meer geloven aan deze waarzeggerij. Ne laisse pas tes enfants ou toi-même croire à toutes ces choses. Als je dat meedoet, daarom verkort jij jouw leven. Amen. Si tu participes à ces choses, tu vends ta vie. Het verkort jouw leven en niet alleen voor jou, maar ook voor jouw kinderen. Amen. Ça raccourcit ta vie pas seulement pour toi, mais aussi pour tes enfants. Wees voorzichtig, wij behoren alleen in naam van Jezus. Faites attention, on n'appartient que à Jésus-Christ. Christenen, als je dat toen hebt gedaan. Chrétien, si tu as fait ce genre de choses avant. Dadelijk gaan wij nu confesseren. Ah, tout à l'heure, on va confesser. Want wij allemaal, niemand is gespaard. Parce que personne n'est épargné. Wij allemaal waren fan voor. Nous deux, on a été fan. Zoals ik heb verteld, ik ging zelf loto spelen voor dat. Comme j'ai dit, moi j'ai déjà joué au loto pour ça. Gelukkig heb ik niks gewonnen. Heureusement, je n'ai rien gagné. Ik ga winnen in naam van Jezus Christus. Je vais gagner au nom du Seigneur Jésus Christ. Kinderen van de Heer, daarom zeg ik jullie vandaag. Les enfants de Dieu, c'est pour ça que je vous dis aujourd'hui. Alle problemen, storingen die jullie nu aan het zien zijn. Tous les problèmes que vous voyez dans votre vie. Omdat wij de waarheid spreken.
Tous les problèmes que vous voyez maintenant dans les lives, c'est de vivre au vide et deze waarheid niet horen. Le monde ne veut pas entendre cette vérité. De leger van de Satan is nu overal nu actief om te breken wat de ware kerk vertellen. Amen. Les soldats du diable sont maintenant actifs pour casser tout ce que l'église dit. Maar jij de waarheid kent, blijf standvastig. Mais toi qui pardon, toi qui connais la vérité, reste fort. Mogen de Heer alle ware kerken zegenen in naam van zijn Zoon Jezus Christus in Nazareth. Que le Seigneur bénisse toutes les églises au nom de son Fils Jésus Christ de Nazareth. Nu gaan we verder. Maintenant on va continuer. Ik hoop dat de verbinding in orde is. J'espère que la connexion va bien. Amen. Leviticus 19 vers 20. Levitique 19 verset 20. Wij zijn er bijna klaar. On a presque terminé. Leviticus 19 20. Ik ga lezen eerst in Nederlands in naam van Jezus Christus. Amen. Nee, we gaan nu verder naar 26. We hebben al 20 gelezen. Amen. Maintenant on va à Levitique 19 verset 26. U mag niets eten met het bloed er nog in. U mag niet aan wichelarij doen en u mag geen wolken duiden. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Vous ne mangerez aucune viande contenant encore son sang. Vous ne pratiquerez pas la divination. Vous ne chercherez pas les augures. Amen. Jullie gaan geen volken duiden. Vous ne rechercherez pas les augures. Maar waarom de volken van vandaag zo maken ze de Heer tonig? Omdat ze hebben niet geluisterd, ze doen het toch. Mais pourquoi les peuples de nos jours fâchent le Seigneur parce qu'ils ne veulent pas écouter ce qu'il dit? Ze beginnen dat te duiden terwijl de Heer zei niet doen. Ils commencent à le faire alors que le Seigneur a dit ne le faites pas. Bij vers 31, Leviticus 19, 31, schrijf het op. Amen. Dans le verset 31 de Lévitique 19, écrivez-le. Hij zei, u mag niet wenden tot de dode bezweerders en tot de waarzeggers. Amen. Il a dit, ne vous adressez ni aux médiums, ni à des divins. U mag hen niet raadplegen. Ne les consultez pas. Zodat u zich met hen verontreinigt. Parce que sinon, vous vous rendriez impur. Ik herhaal, verontreinigt, zegt de Heer. Amen. Le Seigneur a dit, vous vous rendriez impur. Ik ben de Heer, uw God. Je suis l'Éternel, votre Seigneur. Stel voor als je dat toch doet, wat gebeurt met jou? Imagine que tu le fasses quand même. Qu'est-ce qui va se passer avec toi? Wat zegt Romeinen 6? Que dit Romain 6? De laatste vers. Le dernier verset. De prijs van ongehoorzaamheid of de zonde is de... Le salaire du péché, c'est la mort. Ik ga met geluid doen, is de... Amen, le salaire du péché, c'est le... Daarom wees voorzichtig, kinderen van de Heer. Donc faites attention, enfants de Dieu. Daarom, dat was voor vandaag. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Want de tijd is gegaan. Amen. Parce que le temps est parti. Amen. Kinderen van de Heer, waar je nu bent. Les enfants de Dieu, là où vous êtes. Sta op. Levez-vous. Waarom op te staan? Want we krijgen nu autoriteit. Pourquoi vous levez? Parce que maintenant on va recevoir l'autorité. Kinderen van de Heer heeft ons verboden. Les enfants de Dieu, le Seigneur nous a interdit. Dat onze ogen niet kijken wat de andere volken hebben gekeken. Que nos yeux ne regardent pas ce que les autres peuples ont regardé. In de naam van Jezus Christus waar jij bent. Dans le nom de Jésus Christ là où tu es. Zeg, vandaag krijg ik de autoriteit. Dis aujourd'hui je reçois l'autorité. Ik ga mijn ogen dicht doen voor de wereld. Je ferme mes yeux pour le monde. In de naam van Jezus Christus. Au nom de Jésus Christ. Begin niet te verklaren. Halleluja. Commencez à déclarer. Amen. Begin te verklaren. Commencez à déclarer. Que tes yeux soient fermés. Pour des choses du monde. Que les médiums, tout cela du monde. Sors dans ma maison. Sors dans ma maison. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Sors dans ma maison. Car le Seigneur est le roi des rois. Car le Seigneur est Dieu de Dieu. Car le Seigneur nous a libérés. Notre Seigneur est grand. Notre Seigneur est le roi des rois. Au nom de... Au nom de... Jésus. Peuple de Dieu, on n'est pas encore terminé. Déclare après moi. Toute malédiction. Alle vloek. Toute porte j'ai ouvrie. Alle deuren die ik zelf heb geopend. Car j'ai écouté horoscope. Omdat ik naar horoscope heb geluisterd. Je ne savais pas. Ik wist het niet. Qu'il a pris mon étoile. Dat ze mijn ster hadden genomen. Qu'il a pris mes enfants en esprit. Dat ze mijn kinderen in geest hebben genomen. Il a mené la mort. Dat ze dood hebben gebracht. Mais dans le nom de Jésus. Maar in de naam van Jezus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je vais les brûler. Je ga het verbranden. Je vais les brûler. Je ga het verbranden.
Commencez à déclarer, alléluia. Commencez à déclarer. Commencez à déclarer. Dans le nom de Jésus. Tout occulte. Tout divine. Toutes les divinations de Satan. Sors dans ma maison. Au nom de Jésus. Sors dans ma maison. Ils ont écouté tous mes plans. Quand j'ai ouvert la porte. Au nom de Jésus. Sors. Gloire et louange à notre Seigneur. On a prié au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Peuple de Dieu, on n'est pas encore terminé. On a encore 5 minutes. Alors, dans les horoscopes qu'on connaît, il y a des caractéristiques dedans. De ces caractères-là, c'est ça qui est rentré à nous. C'est les esprits du diable. Tous les horoscopes que tu vois mois par mois jusqu'à 12e mois, les chiffres 12, oh, c'est les chiffres de l'accomplissement de Dieu. Mais tournez ça maintenant dans les diables, c'est la fin de ta vie. C'est pourquoi elle a fait ça de janvier jusqu'à décembre, comme les 12 tribus. Et il a donné le nom de horoscope de son fils Horus. Mais tout cela, celui qui tient les liens des chaînes de tout cela, son nom c'est Zodiac. Écris la Zodiac. On va chasser Zodiac dans ta vie. Car il n'a pas seulement 12 horoscopes, mais il est 13. Vous voulez connaître les noms? Le 13e horoscope, le dernier horoscope, écris-la. Amen. Schrijf het op. Ophiuchus. Ophiuchus. Ophiuchus, ça veut dire en grec celui qui a pris le serpent dans les mains. Dat betekent in het Grieks degene die de slang vast heeft. Écris-la. Schrijf het op. Tu vas les chasser dans ta vie. Je gaat die vandaag wegjagen uit je leven. Au nom de qui? In de naam van wie? Jezus. Alors, les démons de mind control de tous les horoscopes, ils sont rentrés pour te faire croire. Les démons van mind control van de horoscopes zijn binnengekomen om jou iets te laten geloven. Aujourd'hui, c'est fini pour vous. Vandaag is het gedaan voor hun. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui t'a donné de devenir enfant de Dieu. C'est lui qui t'a donné l'autorité d'écraser sur les scorpions et les serpents. Commencez à chasser au nom de Jésus. Alléluia. Commencez à envoyer le feu. Commencez à envoyer le feu. Dans le nom de Jésus. Officius, je te chasse. Zodiac, je te chasse. Sors dans ma maison. Sors dans ma maison. Sors dans ma maison. Toi qui es Zodiac, tu as fait les liens pour qu'on comprenne et puis on croit. Je t'ai chassé dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi. Ainsi on a prié au nom de Jésus. Ainsi on a prié au nom de Jésus. Maintenant, on va laver notre corps, l'âme et l'esprit. Car mes enfants, tous, ils seront lavés par la foi. Habakkuk, il dit, l'homme vivra par la foi. Habakkuk zegt, een mens zal leven door zijn geloof. Je te dis la vérité. Ik zeg je de waarheid. L'homme vivra par la foi aujourd'hui. Een mens zal door zijn geloof leven. Ouvrez votre main où vous êtes. Open je handen waar je bent. Car tout cela a ouvert la porte des malédictions dans notre vie. Want dit alles heeft de deur van de vloek opengedaan in ons leven. Puisque Zodiac est le chef des horoscopes. Want Zodiac is de baas van de horoscoop. Zodiac, ça veut dire celui qui a fait les liens. Zodiac betekent degene die de ketting heeft gezet. Je le répète, Zodiac, ça veut dire celui qui a pris à rassembler tous les étoiles là des horoscopes. Amen, ik herhaal, Zodiac is degene die al deze sterren van de horoscoop heeft verzameld. Ça veut dire les liens. Dat betekent de kettingen. Que cet esprit-là, mogen deze geest,
qui a ouvert des portes des liens de la famille. De deuren van de kettingen van de familie. Les lois établies de la famille. De vastgestelde wetten van de familie. Des péchés dans ma vie. De zonde in uw leven. Toute porte était ouverte parce que j'ai donné accès. Al die deuren waren open omdat ik zelf access heb gegeven. Père, Abba, Père. Abba, Vader. Que ton esprit soit en moi. Mogen uw geest nu in mij zijn. 1 Thessaloniciens 5, 23. 1 Thessalonica 5, 23. Que Dieu de paix. Un God van vrede. Lui-même vous sanctifie. Dat hij onszelf zal reinigen. Tout entier ton corps, l'âme et l'esprit. Jouw lichaam, jouw ziel en jouw geest. Crois-moi, celui qui t'a appelé est fidèle. Geloof aan degene die u geroepen is trouw. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. In de naam van onze Heer Jezus Christus van Nazareth. Commencez à laver ton cœur. Begin jouw hart te reinigen. Ton âme. Jouw ziel. Et ton esprit. En jouw geest. Et ton corps. En jouw lichaam. Commencez à déclarer alléluia. Commencez à déclarer. Commencez à laver ton corps, l'âme et l'esprit. Commencez à laver ton cœur, les caractères, les habitudes. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Zodiac, sors dans ma vie. Sors avec tes liens. Je ne croirai plus jamais. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, on a prié au nom de... Amen. On a prié au nom de... Jésus. Alors prenez silence maintenant. Wees nu stil. Regardez dans les cieux. Kijk nu naar de hemel. Car notre Père est dans les cieux. Want onze Vader is in de hemel. Reçois le Saint-Esprit. Ontvang de Heilige Geest. Je vais déclarer pour le peuple de Dieu. Ik zal iets verklaren voor het volk van de Heer. Oh Seigneur notre Dieu. Oh Vader onze Heer. On était des esclaves. Wij waren slaven. Personne n'est venu pour nous aider. Niemand is gekomen om ons te helpen. Personne nous a donné de l'eau pour boire. Niemand gaf ons water om te drinken. Psalm 107, il dit, nous étions dans les caves. Psalm 107 zegt, wij waren gevangen. Personne avait pitié de nous. Niemand had medelijden met ons. Mais toi, Seigneur, tu es venu. Maar oh, u, Seigneur. Heer, u bent gekomen. Tu nous as sauvés. U hebt ons gered. Tu as dit dans Esaïe 61. U zei in Esaïe 61. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. De geest van de Heer is op mij. Il m'a envoyé pour que je délivre celui qui était dans les prisons. Hij stuurde mij om de gevangenen te bevrijden. Nous sommes dans les prisons, wij Seigneur. Wij zijn in de gevangenis, Heer. Délivre-nous selon ta volonté. Bevrijd ons volgens uw wil, Heer. Sauve-nous, Seigneur. Red ons, Heer. Moi et mes enfants. Ik en mijn kinderen. Moi et ma femme, mon mari. Ik en mijn man, mijn vrouw. Nous croyons à ton fils Jésus-Christ de Nazareth. Moi et ma famille, nous servirons Jésus-Christ de Nazareth. Moi et ma maison, on a décidé de débarrasser tous les Pokémon. Ik en mijn huis hebben besloten om alle Pokémons weg te sturen. Moi et ma famille, on a décidé de jeter les horoscopes dans notre Ik vie. Ik en mijn familie hebben besloten om alle horoscopen weg te smijten. Je déclare de tout mon cœur, je les déteste et je les jette. Ik verklaar met heel mijn hart, ik haat het en ik gooi het weg. Je déclare qu'un nouvel esprit rentre à mes enfants. Ik verklaar dat een nieuwe geest in mijn kinderen binnenkomen. Comme c'est écrit dans le Psaume 119. Net hoe het is geschreven in Psalm 119. Quand j'écris à Jésus et j'ai dégoûté le monde. Alléluia. Ik heb in uw naam geloofd en ik heb afkeer gekregen van de wereld. Je déclare que mes enfants reçoivent nouvelle créature. Ik verklaar dat mijn kinderen nieuwe schepsels worden. Reçois nouvel esprit de Jésus. Ontvang nieuwe geest van Jezus. Sois transformé les enfants. Wees getransformeerd. Moi-même et mon mari ou ma femme soient transformés. Ikzelf en mijn man of mijn vrouw worden ook getransformeerd. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. In de naam van Jezus Christus van Nazareth. Car on est sauvé par la déclaration de notre bouche. Want we zijn gered door de verklaring van onze mond. Et par le sang de notre sauveur. En door het bloed van onze redder. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ van Nazareth. Ainsi je dis trois fois. Amen. 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 Soyez là lundi demain. Amen. Wees daar maandag morgen. À 21h.
24 uur. On aura la prière des déclarations et des exhortations. We gaan een gebed van verklaring hebben en ook een aanmoediging. Merci à vous tous. Dankjewel aan jullie allemaal. Merci à tous les pasteurs des vrais. Dankjewel aan alle pastoren. Merci à tous les églises des vrais. Dankjewel aan alle echte kerken. Je vous bénis et soyez là dimanche prochain. Zeg jullie in de naam van Jezus Christus en wees daar ook volgende zondag. Car le Seigneur va nous faire manger des choses spirituelles. Want de Heer gaat ons spirituele voedsel geven. Par ses évangélistes Simon, Livan et Israël. Amen, door zijn evangélistes Simon, Livan en Israël. Je crois que les deux. Amen, de twee misschien. Mais le Seigneur fera grâce, on sera bien bénis. Maar de Heer zal genadig zijn en we gaan gezegend worden. N'oubliez pas de partager cette message partout. Vergeet niet om deze boodschap te delen. Cliquez dans le YouTube channel de l'apôtre Martin Makoma. Druk overal de YouTube channel van apostel Martin Makoma. Rentrez dans le BethesdaMinistry.be. Ga binnen in BethesdaMinistry.be. Fais que le travail du Seigneur remonte. En laat dat het werk van de Heer omhoog geven worden. Parce qu'il y a beaucoup qui s'abonnent dans des choses vaines. Want velen gaan zich abonneren aan rare dingen van de wereld. Abonne-toi pour que le travail du Seigneur monte. Maar je kan je abonneren zodat het werk van de Heer omhoog gaat. Car ce n'est pas notre gloire qu'on cherche. Want het is niet onze glorie die wij zoeken. On veut que les âmes soient libérées. Wij willen dat de zielen worden gered. Ensemble avec le Seigneur nous sommes. Amen. Nous sommes sterk. Amen. Jésus est là. Jésus est solo. Jésus de bon moyen de mon conseil. Acclamons le Seigneur. On n'est pas encore terminé. Est-ce que vous êtes là? Amen. On va terminer avec cette chanson. Amen. Jésus est là. Jésus est solo. Jésus est bon moyen de mon conseil. Non, non, non. Les chanteuses ne sont pas encore prêtes. Soyez prêts. J'attends vous. Amen. Soyez prêts. Où est le micro? On n'attend pas votre voix. Jésus est... Non, on va commencer à Lingala d'abord. Jésus est là. Jésus est solo. Jésus est bon moi. Jésus est mon conzi. Oh, Jésus est mon conzi. Jésus est mon conzi. Mokonzi, Jesu ye mokonzi. Along ye mokonzi, Jesu ye mokonzi. Abike singa ye mokonzi, Jesu ye mokonzi. Bine la ye ye mokonzi, Jesu ye mokonzi. Sanjola ye mokonzi, Jesu ye mokonzi. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Maintenant, on rentre dans la français. Amen. Qui va chanter avec moi? Amen. Jésus est le chemin. Il est la vie. Il est la vérité. Il est le roi. Amen. Ah, vous ne croyez pas que Jésus est le roi? Amen. Est-ce que le roi des rois, vous allez dire Amen? Il faut dire Amen. Amen. Jésus est le chemin, il est la vie. Amen. Amen. Il est la vérité, il est le roi. Il est le roi. Oh, j'aime Jésus très fort. Amen. Oh, Jésus est le roi. Jésus est le roi. Jésus est le roi, yo yo yo. Jésus est le roi. Dansez, 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 dansez. Il est roi, yo yo yo. Jésus est le roi. Sautez, sautez, sautez. Il est roi, yo yo yo. Jésus est le roi.
là, on va écouter à quelle langue? Kikongo. Alors écoutez, maman Viviane, parce que Kikongo, c'est trop fort pour moi. Yesu yandinzila, yandi moyo, yandi kedika, yandi mfumo. Alléluia. Yesu yandi mfumo. Yesu yandi mfumo. Yesu yandi mfumo. Yesu yandi mfumo. Maintenant, en néerlandais, parce qu'en Belgique, on a deux langues, français et néerlandais. Oui, néerlandais, on dit que vous avez deux langues, français et néerlandais. Jesus is the way, He is life, He is the code. Alléluia! Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, c'est elle va continuer. Amen. Jesus is there. Is there. Is the Lord. Is the God. Hallelujah. Oh, Jesus is the God. Jesus is the God. Jesus is the God. Jesus is the God. I have one is the God. God is a calling. Jesus is a calling. He has done fair for my calling. Jesus is a calling. He has singing for my calling. Jesus is a calling. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. La prochaine fois, on va faire aussi en espagnol. Peuple de Dieu, maintenant on est terminé. C'était la fête du Christ Jésus. Que vous soyez bénis et que votre toute semaine soit dirigée par le Saint-Esprit. Tout ce que vous allez faire, ça ne soit pas votre décision ou votre volonté, mais ça soit la volonté de Jésus. Amen. Si tu marcheras dans les erreurs, il te conduira dans les justes chemins. Als je een foute paden gaat lopen, zal hij je brengen naar de juiste paden. Psaume 139, verset 24. Psalm 139, vers 24. Tout ce que vous allez faire au travail, sachez-le, le Seigneur sera avec toi quand tu es son enfant. Alles wat je gaat doen op werk, weet het wel, de Heer gaat met jou zijn, want je bent zijn kind. In de naam van Jezus Christus de Nazareth. Dans le nom du Seigneur Jésus Christ de Nazareth. Zeggen wij, bye bye. Bye bye. Au revoir.